Il y a quelques semaines, Mathieu Delormeau a créé la surprise en annonçant son départ de Touche pas à mon poste après cette année passée en tant que chroniqueur. Il expliquait dans la foulée lâcher son émission TPMP People le samedi. Depuis, si y est-il le silence absolu. Jusqu'au jeudi 25 mai au soir. Sur Twitter, Mathieu Delormeau s'est enfin exprimé. Si y est-il un départ qui a fait grand bruit et auquel personne ne s'attendait. Alors qu'il faisait partie de la bande de Touche pas à mon poste depuis plusieurs années et était incontestablement devenu l'un des chroniqueurs les plus réguliers et les plus proches de Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau a annoncé la fin de cette belle aventure. Il ne présentera plus non plus TPMP People le samedi, dont il avait les rênes depuis 2018. Après cette année d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d'en avoir plusieurs, a-t-il sobrement écrit sur Twitter le 12 mai dernier sans révéler les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision radicale et si soudaine. Depuis, Mathieu Delormeau s'était muré dans le silence, suscitant l'inquiétude de ses fans. Submergé de messages, l'animateur a donc tenu à rassurer dans la soirée de jeudi 25 mai en donnant de ses nouvelles. Malheureusement, il a encore une fois évité de révéler les dessous de son départ. Je suis incroyablement touché par vos messages sur Twitter et Instagram. Si est-il tellement chaleureux et gentil. Je m'en veux de ne pas répondre mais comment faire? Alors à tous merci. Je vous lis, ça me touche et je vous aime. Je vous dois tout, a-t-il écrit à sa communauté. Même Cyril Hanouna refuse d'évoquer l'affaire dans Touche pas à mon poste, lui qui d'ordinaire n'a aucun problème pour parler de tout. Alors, les deux hommes se seraient-ils brouillés? Difficile à savoir mais leur relation a en tout cas été ponctuée de haut et de bas. En effet, il n'était pas rare que Mathieu Delormeau s'absentait de l'émission de C8 après des classes avec Baba. Avant d'annoncer son départ définitif, le chroniqueur n'apparaissait d'ailleurs plus du tout dans le programme depuis plusieurs semaines en raison de problèmes personnels. Rappelons que l'ex-star d'NRJ 12 avait rejoint Touche pas à mon poste en 2015. En 2018, la chaîne lui a fait confiance avec TPMP People. Jusqu'à la fin de la saison, si est-il Bernard Montiel qui remplacera Mathieu Delormeau pour ce rendez-vous du samedi en fin d'après-midi.